et demain pouvoir rouler sur le sec. Et puis nous sommes en Europe. Donc on a beaucoup aujourd'hui, donc ce soir, une présentation rapide et pilote, parce que c'est au niveau des clubs du club, ce qu'on souhaite, c'est de mettre en avant les pilotes, parce que les appuis sont chez vous. Donc on essaie de faire le mec au maximum pour vous mettre en avant, au niveau de la piste, au niveau de l'organisation, etc., etc. Et surtout, voilà, on a peu l'habitude de voir les pilotes sans leur casque, pour les pas dans le club. Et je pense que c'est intéressant, on pourra tous les accueillir, et j'espère que vous ferez un maximum, parce qu'il faut les encourager, c'est des personnes qui ont des pilotes, des petits, des moyens, des grands, et des personnes d'expérience qui prennent beaucoup de risques pour se battre dans les premières places, mais également ils ont pour apporter des contacts. Donc ce qu'on souhaite également, donc, apporter une mise en avant des pilotes, mais également voilà, un développement du karting, qu'on puisse développer le karting de compétition au maximum, que ce soit connu le plus possible, que les médias prennent le relais, et c'est très important parce que c'est vraiment des vrais champions. Et on sait en plus que courir en karting de compétition, ça demande un budget, donc c'est normal, en tout cas moi c'est ce que je pense, c'est normal aussi qu'on vous mette en avant et qu'on vous récompense quelques minutes, c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc l'idée c'est de vous présenter, les pilotes, mais surtout de présenter ce qu'on appellera catégorie par catégorie. Et ensuite Hugo donc, annoncera votre prénom et votre nom. Vous pourrez vous avancer d'un pas pendant que toute la foule vous applaudisse. Et on vous remettra donc un petit cadeau sous le grille. Et nous avons également la chance, et là on pourra l'applaudir et pourra lui demander de venir, on a la chance aujourd'hui, demain, et ben d'avoir donc le champion du monde KZ2, le champion du monde en titre du karting vraiment de haut niveau international. Et je vous demande d'applaudir Emilien Denner, qui sera parmi nous et qui vous remettra donc un poster. Donc Emilien, si tu peux nous rejoindre, un poster pour vous. Voilà, il est parti. Donc voilà, Emilien, le champion du monde KZ. Donc tout c'est un réel plaisir, un énorme plaisir de l'avoir parmi nous, déjà à titre personnel, pour le club, mais surtout, vous apporter à tous les pilotes normands, les pilotes bretons, parce que je sais qu'il y en a, et les pilotes également du Nord, parce que je sais également il y a des pilotes donc, du Nord. Donc c'est de vous apporter aujourd'hui, ce week-end, la chance de rencontrer Emilien, qui est un pilote extraordinaire, super sympa, super simple. Et en plus, il roule super vite. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc Emilien remettra un poster dédicacé à l'ensemble des pilotes. Emilien, tu veux c'est bon, bienvenue. Tu feras un message par chaque pilote, comme tu veux. Donc Emilien passera donc un message personnel à chaque pilote pour pouvoir leur laisser un message personnel. Merci Pierre. Je vais juste faire une petite parenthèse très rapide. Je voudrais, même si comme on dit d'habitude, il faut monter l'exemple. Alors les officiers et les micros sont pas évidents. Je voudrais juste vous féliciter parce que vous êtes quasiment tous avec moi. Et en même temps, je vous passe un message parce qu'aujourd'hui, organiser une compétition dans la période de journée, c'est très compliqué. Donc je voudrais juste vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Mickaël Zeymon et toute l'équipe de la SPA, du Centre du Parc et de l'équipe du Centre. Allez champion! Allez champion! Alors on va faire un peu de temps. Les bons vins, ceux qui nous font rire quand on les voit partir dans tous les sens des interprètes de l'eau et des soucis. Vous appelez Emilie. Allez les enfants, vous voulez venir nous rejoindre. Vous pouvez les appeler. Hein. Voilà. Vous voulez nous mettre par ici? Ah.
pas. Alors les enfants, je vous appelle par là. Et puis quand je vais vous appeler, vous allez vous avancer dans un petit peu. Vous vous présentez. Donc en premier lieu, vous allez pouvoir accueillir Antoine Brisel. Et les enfants, on a un super exemple. C'est qu'il a commencé comme vous. Aujourd'hui, il est 10 ans, il est 100 millions après le coup. Bravo. On va appeler maintenant Benjamin Niveau. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans le coin, si vous voulez? Comment se passe-t-il maintenant? Vous allez bien rester à votre place et vous avancez juste un pas. D'accord? Bon, on va vous montrer comme ça maintenant. Vous allez pouvoir appeler Thomas Elie. Mathéo Villard. Donc Mathéo est en tête, et je crois, et en dernier chrono. Et vous allez pouvoir appeler Noah Kerman. Il vient leur mettre un poster dédicacé à tous les enfants. Tu viens pour bien garder. Hein. Et juste pour information, Emilia nous a demandé donc, jeudi s'il y avait possibilité qu'il fasse un geste au niveau des pilotes, à l'ensemble des pilotes. Et c'est pour cette raison donc, voilà, que nous allons faire un tirage exceptionnel donc, du poster de la Coupe de Normandie. Et Emilia donc, a souhaité offrir ce poster dédicacé à chaque pilote. Et on peut les remercier parce que c'est rare. Donc merci beaucoup, je vous remercie. Voilà, si vous voulez faire un peu de temps, est-ce que c'est bon pour les photos? Tellement les enfants, merci beaucoup à vous. T'as bien de son pour faire pour les. Je dois encore les abonnés là. C'est la relève, quoi. Je vais donc maintenant appeler les enfants qui roulent en pleine difficulté. Vous pouvez les applaudir. Et donc, on va appeler dans un premier temps, vous restez les enfants, si vous voulez juste nous épargner, c'est pas ça un petit peu. Alors, mais ça vaut plus de façon pour vous, voilà. On va essayer de s'expliquer un petit peu. C'est vrai, quand on vous appelle, on fait que vous avancez de pas. D'accord? Donc, vous pouvez applaudir Cameron Lemaire. Le papa manager d'Eric, ça permettra la meilleure pour la présentation de l'écart.
pour parler de l'anarchie à tout ce que vous avez à des hommes de la terre. Le prochain, c'est Axel Bruneau. Alors, le premier, Axel Delalande.
Ménéric Bagnier. On va essayer de passer un peu plus vite pour ne pas vous retenir trop longtemps. Flavio Moreux. Thibaut Martinet. William Gosselin. Anaïs Osmo. Anthony Harry. Et Clément Martin. Du coup, voilà, du coup, ce qu'on va faire, vous pouvez les applaudir encore, c'est une nouvelle séance. On va faire un petit peu au salon, vous allez passer par ici, par partant, et comme ça, il n'y a pas oublié de se faire en passant. Bravo à vous, je vais maintenant appeler les pilotes de la catégorie Rotax. Thank you.
Alors, on va commencer par Emilien Weber. Non, pour faire un peu de temps.
Messieurs, si vous voulez juste par ici, s'il vous plaît, et que vous voulez repartir les deux. Allez, les enfants. T'es le seul qui a osé. T'as changé depuis avant. Alors, Jacques Jouot. Pilote de la SK en début d'année 2020, c'est ça? Adrien Goncourt. Le club, parce que j'ai parlé avec pas mal d'adhérents du club, et visiblement, on s'en est belle connue, c'est grâce à tous les bénévoles du club. Et surtout, vous pouvez visiter, vous avez un président en or, donc peut-être l'année prochaine, on verra dans notre club. Bravo, vous avez bien en fait les questions. Bravo, vous avez bien en fait les questions. Vous avez bien en fait les questions. Julien Victoire. Michael Lignin. Anthony Millet. Ou Millet, je ne sais pas, je ne sais pas. Xavier Ruot. Michael Mauvec. Le tribune Jean-Luc Mancel. Alors, catégorie open, vous pouvez les accueillir. Donc, le premier, Vianney Chantine. Stéphane Campin. Sébastien Vivo. Romain Viera. Laurent Ferrand. Clément Delamarre. Jérôme Denis. Thank you.
Lionel Alain. Patrick Vivo. Didier Roussel. Fabien Jacon. Jésus Coelho. Hugo Foyer. Denis Bélaille. Première course pour Denis Bravo. Francis Doré. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Merci à vous tous. Tous les deux pour le spectacle déjà que vous avez offert aujourd'hui. On est venus, il faut un peu compliqué. J'espère avoir le soleil demain, toute la journée, c'est sans aventure. Voilà, bon. Et ceux qui peuvent nous épouser, c'est pas grave. Les minières sont qui nous offrent un peu solaire. Et après, on va appeler certaines personnes qui sont venues, on ne peut pas faire de compétition. Qu'elles soient en quartier ou en voiture. Qui peuvent, qui vont, qui vont, je le rappelle souvent, mais vous allez voir. Quoi, il fait beau aussi. Merci à vous, et je vous dis, je vous demande une dernière fois, et sur la machine à temps pour applaudir les personnes qui sont sous le bord de la piste toute la journée, que vous avez fait comme nous aujourd'hui, tous les commissaires de piste, si vous voulez venir avec nous. Soyez pas timide, allez-y. Bravo à vous. Voilà, merci encore à vous d'être là, présent toujours. Voyez, il vous emmène alors Martinelle, on mange. On vous emmène. Merci à vous. Il y a sur la sécurité. Bord de la vie, vous pouvez parfois des risques pour aller gérer la situation de l'hôpital. Non, mais il est pour moi d'ici. Un grand merci à vous. Vous pouvez encore les applaudir. Donc, les gens, je vais vous donner rendez-vous demain à partir de. Demain, excusez-moi. Demain, à partir de. C'est compliqué. Vous venez par la chaîne à 8h. Donc, rendez-vous demain matin avec le soleil. J'espère.